De mettre en réseau, hein? Ça ne marchait pas. Faut que je l'avais suivi.
Merci. Ben, bonsoir à tous. En premier, ben, j'aimerais saluer mes collègues, les gens dans la salle, les gens apparents, les journalistes ainsi que l'équipe technique. Pour commencer, ben, peut-être que soyez un petit peu indulgents envers nous autres à soir, parce qu'on commence, on est tous nouveaux pratiquement. Fait que, en espérant un petit peu de tolérance de votre part. Fait que, Madame Lévesque, on commence avec le mot de bienvenue est fait, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications? Non, on n'a pas de modification à l'ordre du jour, Monsieur le Président. Bon, sauf que ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Propose. Monsieur Bernier et un secondeur. Le secondé. Monsieur Chagnon. On s'en va à l'item 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 octobre 2021. Alors, attendu que les membres du Conseil ont reçu copie du dit procès-verbal et en ont pris connaissance, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 octobre 2021 soit adopté tel que rédigé. Vous l'avez tous lu, chers collègues. Si tout est conforme, ben, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fortin, secondeur. Je seconde. Monsieur Godreau, merci. Peut-être, Monsieur le Président, si vous me permettez d'apporter peut-être juste une précision, oui. Considérant que le procès-verbal qui vient d'être adopté, dans le fond, c'est durant l'Assemblée dernière, du 5 octobre dernier. Donc, au niveau des règles municipales, on n'a pas l'obligation que ça soit proposé, bien entendu, par un membre qui était présent. Donc, on n'est pas assujetti à ces règles-là, et ce sera le président de l'Assemblée, donc M. Martel, qui va signer le procès-verbal de l'Assemblée du 5 octobre dernier. C'est autant valide pour l'agglomération que pour celui au niveau de Ville de la Tuque. Merci des explications. Le suivi du procès-verbal, ben, il n'y avait pas de suivi à faire, fait que tout est conforme. Correspondance, il n'y en a pas. Point 5, nomination du vice-président du conseil d'agglomération. Madame Lévesque. Alors, attendu qu'en vertu du décret 1055-2005 créant l'agglomération de la Tuque, les membres du conseil municipal doivent nommer un vice-président de ce conseil. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération désigne M. Larry Bernier pour agir à titre de vice-président de l'agglomération de la Tuque et que ce conseil d'agglomération confirme M. Luc Martel, maire de Ville de la Tuque, à titre de président du conseil d'agglomération de la Tuque. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. C'est unanime. Monsieur, prenez-vous okay. Avec Mme Duchesne. On peut dire que c'est unanime? Unanime, ouais. Oui. On pourrait dire que c'est unanime. Hein. Proposé par Dr. Duchesne, mais unanime. Unanime, c'est bien. Merci. Je voudrais juste ajouter un mot. Oui. Je remercie ma consœur et mes confrères. Mes consœurs et mes confrères pour cette confiance que vous me faites. Ça fait quand même quelques mandats que je suis vice-président. Alors, je vais continuer de faire du mieux que je peux. Merci. Je suis point 4 pantoute, Larry. Merci. Point 6, autorisation de signature, réserve financière pour le dépôt du rôle d'évaluation. Madame Lévesque. Attendu la création d'une réserve financière pour les dépenses d'équilibration, de dépôt et de suivi des rôles triennaux, ainsi que l'inventaire du milieu non résidentiel par le biais d'un règlement municipal portant le numéro 6036-2017 afin de pallier aux dépenses de fonctionnement. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise la directrice des finances et trésorières, Mme Christine Gervais, à utiliser les sommes nécessaires prévues dans la réserve financière pour payer les dépenses reliées au dépôt du rôle. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Il va proposer. Monsieur le secondé. Mme Duchesne. Merci. Item 7. Autorisation, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence.
attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que Ville de Latuc désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que Ville de Latuc prévoit la formation de 12 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la formation de 12 pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel auprès du ministère de la Sécurité publique et que ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. André Vézina, à signer tout document visant à donner plein effet à la présente résolution. Merci. Je veux juste rajouter un petit quelque chose. Vu que je suis pompier, je me retire de la discussion pour conflit d'intérêt. Merci. C'est bien, M. Dubé. En passant, avant de proposer un secondaire, peut-être faire un appel à tous. Là. Nous aussi, on embauche. On manque de pompiers. Fait que si ça vous tente, bien, venez appliquer. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Moi. Bon, Mme OK, Mme Ouellette. Oui. Secondé par? Je vais seconder. Secondé. Ah. On va y aller avec Éric. Vu qu'il est loin, on va accepter le délai. Donc, comme vous le mentionnez, M. Martel, on est en besoin justement de pompiers volontaires à Latuc. Donc, les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés de postuler à titre de pompiers volontaires pour Ville de Latuc, donc c'est sur l'ensemble du territoire, sont invités à le faire. Vous pouvez communiquer, consulter le site web de la Ville de Latuc sur la section emploi et vous avez l'avis public qui inscrit, là, qui indique toutes les qualifications requises et vous avez jusqu'au 17 décembre pour postuler. Donc, la résolution ce soir, c'est justement pour donner cette formation de pompier 1 aux gens qu'on cherche à titre de pompier pour le secteur de Ville-Latuc. Et l'ensemble de ces formations-là sont défrayées, bien entendu, via un programme d'aide financière qui avait pour but, justement, l'adoption de cette résolution-là ce soir. Merci, M. Poirier. On s'en va à l'item 8, avis de motion. Règlement adoptant les quotes-parts des municipalités liées pour le financement des compétences de l'agglomération de Latuc pour les prévisions budgétaires 2022. Alors voici, je sous-signé Larry Bernier, membre du Conseil d'agglomération, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce Conseil, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture décrétant les quotes-parts des municipalités liées afin de pourvoir au financement des dépenses d'agglomération pour les prévisions budgétaires pour l'année 2022 et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci. Item numéro 9, projet de règlement numéro 6044-2021 adoptant les quotes-parts des municipalités liées pour le financement des compétences de l'agglomération de Latuc pour les prévisions budgétaires 2022. Madame Lévesque. Oui. Alors, attendu que l'article 356 de la Loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil. Attendu que l'objet du présent projet de règlement vise essentiellement l'adoption des quotes-parts des municipalités liées pour le financement des compétences d'agglomération de Latuc pour les prévisions budgétaires 2022. Attendu le règlement de fonctionnement adopté le 15 janvier 2008 permettant le financement de l'excédent des dépenses sur les revenus au moyen de quotes-parts. Attendu la présentation et dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération adopte le projet de règlement 6044-2021 décrétant la quote-part des municipalités liées afin de pourvoir au financement des dépenses d'agglomération pour les prévisions budgétaires pour l'année 2022. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Godreau, appuyé. Oui. M. Dubé, merci. M. le Président. Oui. Je vais faire un commentaire en conflit d'intérêts. Je souhaite qu'elle soit le plus basse possible.
Nous aussi. Regarde, c'est enregistré. M. Bernier, c'est enregistré, justement, puis vous allez pouvoir assister au, au rapport du budget, mais qu'on le compose. Juste mentionner que le règlement sera soumis au Conseil de l'Assemblée extraordinaire qui est prévu le 22 décembre prochain. Donc, M. Bernier, vous êtes invité à prendre vote sur ce règlement. même le 7 décembre, je vais en avoir des nouvelles. C'est ça. Merci. Point 10, autorisation de signature, avenant numéro 8 au contrat de prêt financier avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Attendu qu'un contrat de prêt est intervenu le 24 avril 2020 entre l'agglomération de Latuc et le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'établissement de mesures spécifiques d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Attendu que ce contrat précise les modalités du programme et les modalités de remboursement du prêt consenti à l'agglomération par le gouvernement du Québec. Attendu que le gouvernement a autorisé le 21 septembre 2021 des modifications aux normes et modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises afin de prolonger à nouveau le programme et d'y apporter des précisions. Attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications au contrat de prêt au cadre d'intervention du programme. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise le président, M. Luc Martel, à signer pour et au nom de Ville de Latuc, l'avenant numéro 8 au contrat de prêt dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation ainsi que tout document relatif à la présente résolution. Merci. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Secondé. M. Fortin avec Mme Duchesne. Merci. Point 11. Désignation, élus et fonctionnaires sur les divers comités et représentants municipaux de l'agglomération de Latuc. Mme Lévesque. Oui. Alors, attendu que suite à la révision annuelle de la composition des membres siégeant au comité de l'agglomération de Latuc, organisation ou organisme, il y a lieu de renommer les élus et fonctionnaires délégués. Attendu qu'il y a lieu de désigner des représentants sur certains comités considérant les dossiers en cours et que certains comités demeurent à combler par une résolution ultérieure. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération désigne les élus et fonctionnaires suivants pour siéger sur ces comités et conseils d'administration afin d'agir comme représentants municipaux selon la liste suivante. Alors, au niveau du comité de sécurité publique, nous retrouvons M. Luc Martel, M. Larry Bernier, Mme Renée Ouellette et M. Michel Pronovo. Au plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie, M. Larry Bernier. Au niveau du comité consultatif d'investissement et comité de vitalisation FRR volet 4 du SDF, nous retrouvons M. Luc Martel, M. Larry Bernier, Mme Renée Ouellette, M. Michel Pronovo et Mme Doris Duchesne. Au comité aviseur accès entreprise Québec, nous retrouvons M. François Fortin, Mme Doris Duchesne. Sur l'office municipal d'habitation, nous avons M. François Fortin et M. Claude Godreau. Au niveau du schéma de couverture de risque incendie, nous avons M. Michel Pronovo. Sur la société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan, nous avons M. Larry Bernier. À la table des élus de la Mauricie, nous avons M. Luc Martel et M. Larry Bernier. À la Fédération québécoise des municipalités, nous avons M. Luc Martel. Et sur le comité de la santé, nous avons M. Éric Chagnon, M. Michel Pronovo ainsi que Mme Doris Duchesne. Et que la composition des 10 comités soit révisée annuellement par ce conseil. Merci. Je le propose. Ça me prendra un proposeur. M. Pronovo, oui. Secondaire. Secondaire. M. Dubé. Merci. On s'en va au point 12, d'hiver, il n'y a rien. Commentaire du président, je vais les garder pour le conseil de proximité. On va y aller avec le commentaire des membres. On commence avec Mme Ouellette. Oui, bonsoir. Dans le fond, je voudrais féliciter tout le monde, les conseillers qui ont été élus. Félicitations. Je sais que c'est une chaude lutte, quand même, c'est assez intense, mais quand même, c'était très bien. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Chagnon. Non, je n'ai pas de commentaire pour l'instant, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Godreau. Pas de commentaire. Madame Duchesne. Aucun commentaire? Non, oui. Aucun commentaire. Monsieur Pronovo. Ça va.
M. Fortin. Je voudrais remercier mes électeurs et mes électrices de mon district. Merci. M. Bernier. Dans un premier temps, moi, je veux féliciter tous les gens qui ont été élus, tous ceux également qui se sont présentés, parce qu'il faut de l'audace, puis, etc., c'est bon. Alors, félicitations à tous et à toutes. Dans un deuxième temps, je voudrais faire une proposition pour adopter une résolution de félicitations à l'égard de Mme Annie Tremblay et de M. Nicolas Bernard, qui sont les propriétaires de la Seigneurie du Triton. La semaine dernière, dans le cadre du sommet organisé par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, on leur a décerné le plus prestigieux prix de tourisme au Québec, c'est-à-dire le prix qu'on appelle « Grand bâtisseur ». Donc, ces gens-là, je pense, sont un modèle pour beaucoup. Alors, ils consacrent énormément d'efforts. Donc, moi, je proposerais qu'on envoie une résolution de félicitations de la part du Conseil d'agglomération. Bonne suggestion, M. Bernier. Vous en faites le proposeur? Oui. Je pense que ça peut être unanime. Unanime. Oui. Merci. Merci. Commentaire des membres, c'est fait. Question des médias. Pas de question. C'est bon, merci. Tabarouette, on est déjà clair de même. Tabarouette, ça va bien. Attends. Ah oui, ça va venir. OK. Bon, ben, on peut en profiter. Oh oui. OK. Question du public. Vous vous nommez? Monsieur Martel? Oui. Peut-être que je pourrais ajouter un autre commentaire que j'ai oublié, je m'excuse, en attendant que le monsieur s'installe. Juste aviser les gens que, concernant la petite école de Lac-Édouard, elle n'est pas fermée. Elle est en dormance. Elle est en veilleuse. Parce que cette année, on n'avait pas d'inscription. Mais le local est encore là. Ma maîtresse préférée aussi est là. Et dans 2 ans... Il y a une petite fille qu'on va accueillir, là, qui va être en maternelle 4 ans. Alors, l'école, la porte va lui être ouverte dans 2 ans. Alors, c'est juste, on est en dormance présentement. Allez, je m'excuse, monsieur, allez-y. Non, mais c'est beau. Merci, M. Bernier. Oui, bonjour. Mon nom est Gaétan Pouliot. Alors, je tiens à féliciter tous les élus qui se sont présentés. Alors, félicitations à tout le monde qui ont pu convaincre le public de la TUC pour leur confiance. Alors, je tiens à vous féliciter, Monsieur le maire, ainsi que toute l'équipe. J'ai une question, moi aussi, peut-être que je ne suis pas familiarisé non plus, mais j'ai une question. Puis moi, ben, je suis un gars qui va toujours aux sources au lieu d'entendre des blabla, blabla. J'ai su qu'il y aurait parmi vous une personne qui n'aurait pas été vaccinée puis qui aurait fait sa campagne quand même contre le vaccin, on parle du COVID-19. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. le maire, de il y aurait eu une problématique là-dessus, mais bon. Oui, on est au courant, M. Pouliot. Puis les mesures ont été prises, puis on respecte la santé publique là-dessus. Soyez pas inquiète. D'accord. Alors, ça confirme que la personne a été vaccinée, puis... Je ne dis pas qu'elle a été vaccinée. Okay. Elle a été rencontrée, puis on respecte les normes de santé publique là-dessus. Comme on a des employés qui ne sont pas vaccinés, puis on respecte la santé là-dessus. Puis je suis peut-être un complément d'information, M. Poirier, puisque vous êtes dans le dossier depuis le début. C'est-à-dire qu'au moment où les élus ont été premièrement proclamé élu et assermenté, bien nous, comme organisation municipale qui est Ville de l'Atuc, on se doit de respecter tout ce qui nous est dicté par la santé publique et le gouvernement du Québec. Donc, soyez assurés qu'à l'intérieur de nos murs, au niveau de l'organisation municipale, toutes ces règles-là sont appliquées. Donc, qu'est-ce qui s'est fait avant, nous, au niveau d'organisation, c'est pas de notre ressort, mais maintenant, ces élus-là, autant le maire que les conseillers municipaux, travaillent pour la Ville et on se doit de respecter l'ensemble de ces mises-là, ces règles-là, plutôt, excusez-moi, qu'on se doit d'appliquer comme organisation municipale, et c'est fait et c'est respecté. Donc, on est avec eux depuis environ une semaine et quelques jours. Donc, tout a été mis en place, justement, pour que les règles soient appliquées. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions, mais encore une fois, bien, félicitations, puis j'espère qu'on va avoir une belle ville propre et en santé. Merci. Merci, M. Pouliot. Merci. D'autres questions du public?
Vous avez juste à vous approcher du micro, puis vous nommez. Il faut filer dans tes chaises. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai pas de questions. J'ai un commentaire. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Vous vous nommez, s'il vous plaît? Marie-Louise Tardy. Marie-Louise Tardy. Je trouvais important d'être ici ce soir avec vous, avec les trois maires et les conseillers municipaux, donc, pour vous féliciter. Comme Larry disait tantôt, là, ça prend quand même beaucoup de détermination pour se présenter, beaucoup de volonté pour faire avancer les dossiers. Donc, merci, félicitations, bravo. Bravo à ceux qui se sont présentés aussi, qui n'ont pas été élus, qui ne sont pas ici ce soir, ou il y en a peut-être ici dans la salle. Juste pour vous dire aussi que, comme je l'ai fait au cours des trois dernières années, je demeure disponible et intéressée, bien entendu, à travailler avec vous et pour vous. J'ai fait un bilan, là, mais on va se voir vendredi. Fait que je vous remettrai ça vendredi, parce que là, on était rendu à, juste pour la TUC, là, au cours des trois dernières années, plus de 26 millions de dollars qui ont été donnés par le gouvernement, incluant des projets aussi pour le Centre d'amitié autochtone, là. Puis, j'ai pas mis le 613 millions, là, vous comprendrez, au Québec, parce que là, les autres soutiens devenaient un petit peu fade à côté de ces 613 millions-là. Mais on a quand même 23 millions là, au cours des trois dernières années. Vous le savez, le dossier des ambulanciers a été un gros dossier. C'est un dossier qui était attendu depuis près de 10 ans. Je vous dirais en secret que je pense que même la ministre, Mme McCann, elle ne voulait plus aller aux toilettes en même temps que moi. Elle a toujours resté polie et très patiente. Mais quand M. Legault vous dit « Marie-Louise, c'est ma lionne qui défait ses dossiers », c'est vraiment ça. Donc, profitez de votre lionne. Je vais être là encore pour vous, puis ça me fait plaisir. Merci. Merci, Mme Tardy. Puis on va prendre connaissance de votre dépôt de documents. Puis en passant, vendredi, on va en avoir un à vous déposer le dossier. D'autres questions du public? S'il n'y en a pas, bien, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé, M. Prolevo. Secondé par M. Dubé. On reprend ça dans 5-10 minutes.
Alors, les mots, en tout cas, bienvenue pour l'Assemblée régulière de Ville de Latuc. Les salutations d'usage ont été faites à la première Assemblée. Et bon, alors on s'en va à l'item numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications? Non, il n'y a pas de modification, monsieur le maire. C'est bien, fait que ça me prendrait un proposeur pour un second. Je propose. Michel Pronovost. Je vais seconder. M. Godreau. Ah, M. Godreau. Item 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 octobre 2021. Attendu que les membres du Conseil ont reçu copie du dit procès-verbal et en ont pris connaissance, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 5 octobre 2021 soit adopté tel que rédigé. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Fortin, appuyé. Oui. M. Dubé. Je vais l'appuyer. Ah. Ah. On s'en va à l'item B. Suivi du procès-verbal, j'en ai pris connaissance, puis il n'y avait pas de suivi à avoir, à moins qu'il y en a qui aient des questions. Que si c'est correct de même, on s'en va à l'item 4, correspondance, il n'y en a pas. À l'item 5, rapport des permis de construction pour le mois d'octobre 2021. Oui, alors au niveau du mois d'octobre 2021, nous avons émis 72 permis pour une valeur des travaux de 1 373 211 $. À titre comparatif, l'an dernier, pour le mois d'octobre 2020, il y avait 134 permis émis pour une valeur des travaux de 1 993 618 $. Il s'agit donc cette année d'un écart négatif de 62 permis pour une valeur des travaux négative de 620 407 $. Et à titre indicatif, depuis le début de l'année 2021 jusqu'à ce jour, la Ville a émis 958 permis pour une valeur des travaux de 25 119 500 $. Et à titre comparatif, pour le cumulatif de l'année 2020, donc il y avait à pareille date 1 233 permis émis pour une valeur des travaux de 17 355 985 $, ce qui signifie un écart négatif de 275 permis pour un écart des travaux de 7 763 515 $. Merci. On s'en va en direction générale au point 6.1. Mandat au porte-parole patronal du Carrefour Capital Humain de l'Union des municipalités du Québec. Négociation de la convention collective des pompiers à temps partiel de Ville de Latuc. Madame Lévesque. Alors, attendu l'offre de service datée du 24 février 2021 par le Carrefour du Capital Humain de l'Union des municipalités du Québec pour la négociation du renouvellement de la convention collective des pompiers à temps partiel de Ville de Latuc. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal mandate M. Sébastien Archambault, conseiller en relations du travail et ressources humaines du Carrefour du Capital Humain de l'Union des municipalités du Québec, pour agir à titre de porte-parole, ainsi que Mme Cathy Rochefort, conseillère en santé, sécurité du travail et ressources humaines, ainsi que M. André Vézina, directeur du service de sécurité incendie, afin de représenter la Ville de Latuc et négocier avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec pour les secteurs Latuc et Lacroche le renouvellement de la convention collective des pompiers à temps partiel de Ville de Latuc qui venait à échéance le 31 mai 2020. Merci. Encore une fois, je me retire des discussions pour possibilité de conflit d'intérêts. Merci. Oui. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Duchesne. Je vais seconder. Avec M. Fortin. Merci. 6.2. Désignation élus et fonctionnaires sous les divers comités et représentants municipaux de la Ville de Latuc. Madame Lévesque. Oui. Alors, attendu que suite à la révision annuelle de la composition des membres siégeant au comité de la Ville de Latuc, organisme ou organisation, il y a lieu de renommer les élus fonctionnaires délégués. Attendu qu'il y a lieu de désigner des représentants sur certains comités considérant les dossiers en cours et que certains comités demeurent à combler par une résolution ultérieure. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal désigne les élus et fonctionnaires municipaux suivants pour siéger sur ses comités et conseils d'administration afin d'agir comme représentants municipaux selon la liste suivante. Or, au niveau de l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, nous retrouvons messieurs Éric Chagnon et Clément Dubé. Sur le conseil d'administration de Bioénergie Latuc, nous avons monsieur Luc Martel.
sur le comité de circulation, nous avons M. Michel Pronovost et Mme Doris Duchesne. Au comité consultatif agricole, nous avons M. Clément Dubé. Au comité consultatif de la culture, M. Michel Pronovost et Mme Doris Duchesne. Au comité consultatif du patrimoine, M. François Fortin. Au comité consultatif d'urbanisme, M. Clément Dubé et Claude Godreau. Au comité de finances, M. Luc Martel, M. Michel Pronovost, M. Claude Godreau et Mme Doris Duchesne. Au comité de retraite, M. Luc Martel. Au comité de voirie et bâtiments, M. Clément Dubé, Claude Godreau et François Fortin. Sur la commission de l'aqueduc, M. Luc Martel et François Fortin. À la Corporation de développement durable, M. Éric Chagnon et Clément Dubé. À la Corporation du pont de Rivière-Aura, M. Clément Dubé et Éric Chagnon. À la Société de développement commercial, Mme Doris Duchesne et M. François Fortin. À l'Unité régionale du loisir et du sport municipal, M. Luc Martel. À l'Union des municipalités du Québec, M. Luc Martel. Ainsi que sur TGV Net, Mauricie, M. François Fortin. Et que la composition des comités soit révisée annuellement par ce conseil. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Proposer ça, moi. M. Dubé, je vais l'appuyer. M. Godreau. Non, c'est beau. Merci. 6.3, désignation du maire, M. Luc Martel, en tant que signature des divers dossiers en cours. Oui, alors attendu que suite à l'élection du nouveau maire, M. Luc Martel, le 7 novembre dernier, il y a lieu de désigner celui-ci à titre de signataire des divers dossiers en cours afin de donner plein effet aux résolutions adoptées antérieurement par l'ancien conseil municipal. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise le maire, M. Luc Martel, à signer pour et au nom de Ville de Latuc tout document, contrat ou entente en cours adopté par l'ancien conseil municipal. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Fortin, appuyé. Je vais l'appuyer. Oh, M. Chagnon. C'est vrai qu'il y a un délai, hein? Il y a un petit délai, oui. On va attendre. On va aller à l'item 7, le greffe, 7.1. Demande de 7 dérogations mineures numéro 2021-049 à 2021-055. Ça, c'est peut-être une nouvelle procédure qu'on va avoir, que c'était long puis fastidieux. Bien, on met tout ça ensemble. Ça, la loi nous le permet. Fait que, Mme Lévesque, vous avez une petite lecture à faire. Alors, attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 7 demandes de dérogation mineure numéro 2021-049 à 2021-055, qui vont comme suit. Alors, la demande numéro 2021-049 concerne le 18 rue La Flèche, qui consiste à régulariser la marge latérale du garage à 0,89 m, ainsi que la marge arrière de celui-ci à 0,81 m plutôt qu'à 1 m. La demande numéro 50 concerne le 449-451 rue Saint-Michel et consiste à régulariser la marge arrière du garage à 0,78 m plutôt qu'à 1 m. La demande numéro 51 concerne le 476 rue Jacques-Buteux et consiste à régulariser la marge latérale du garage à 0,30 m plutôt qu'à 0,91 m. La demande numéro 52 concerne le 779 rue Joffre afin de permettre que le garage ait une façade de 10,52 m plutôt que 9,90 m. La demande numéro 53 au 625 rue des Biens consiste à régulariser la marge avant de la maison à 4,46 m plutôt que 4,57 m. La demande numéro 54 au 10 rue Cartier afin de permettre la construction d'un abri d'auto à 0,25 m de la marge latérale plutôt qu'à 1,50 m. Et la demande numéro 55 au 1144 rue des Êtres consiste à régulariser la marge latérale de la maison à 1,24 m plutôt qu'à 2 m, ainsi que régulariser la marge latérale du garage à 0,93 m et la marge arrière à 0,84 m plutôt qu'à 1 m. Attendu les avis favorables donnés par le comité consultatif d'urbanisme sur chacune de ces demandes lors de la séance tenue le 25 octobre 2021,
Attendu que toute personne intéressée pouvait se faire entendre par ce conseil relativement à cette demande, par le biais d'une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable, ayant paru sur le site web de Ville de la Tuque le 27 octobre et ayant pris fin le 10 novembre dernier, attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu par la municipalité suite à la publication de cet avis. En conséquence, il est résolu que les 7 demandes de dérogation mineure numéro 2021-049 à 2021-055 soient acceptées ou refusées. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour l'acceptation. Monsieur Godreau, appuyé par? Appuyé. L'appuyé. Ça va trop tard. Monsieur Pronovost, merci. 7.2. Demande 5 d'occupation du domaine public permanente. On va laisser prendre un peu votre souffle, Mme Lévesque. Puis... Alors, attendu que 5 demandes de... cinq demandes d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent ont été déposées à la Ville de la Tuque afin de permettre l'occupation du domaine public sur différents lots, tels qu'apparaissant au certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre attitré à chacun des dossiers. Alors, au 642 rue Roy, la demande est présentée par M. Martin Boutin afin de régulariser l'empiètement des frises et la résidence sur la rue Roy. La demande était favorable par le comité d'urbanisme. Le 408-410 rue Saint-Joseph, présenté par M. Robert Veillette, consiste à régulariser l'empiètement de l'escalier et de la galerie sur la rue Saint-Joseph, lequel a eu un avis favorable du comité d'urbanisme. Au 389-391 rue Saint-Joseph, la demande présentée par Mme Denise Duchesne concernant l'empiètement du balcon sur la rue Saint-Joseph, lequel a un avis favorable, ainsi que l'empiètement de l'enseigne, lequel a obtenu un avis défavorable au niveau de l'enseigne. Nous avons la demande au 372-378 rue Saint-François, présentée par M. Raymond Bédard, pour l'empiètement du muret sur la rue Saint-François, qui a eu un avis favorable du comité d'urbanisme. Et la demande au 451 rue Caron par Mme Caroline Tremblay, concernant l'empiètement de la clôture et de l'escalier sur la rue Caron, lequel a obtenu un avis favorable du comité d'urbanisme. Alors, attendu les avis donnés par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance tenue le 25 octobre 2021, attendu que la Ville ne subit aucun préjudice, en conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public pour les demandes jugées favorables par le comité consultatif d'urbanisme et que ce conseil refuse l'occupation du domaine public pour l'empiètement de l'enseigne de 0,89 m sur le lot 5 330 276, étant le 389-391 rue Saint-Joseph. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Duchesne. Je fais seconder. Monsieur Fortin, merci. 7.3, nomination maire suppléant. Madame Lévesque. Oui, attendu qu'en vertu de l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller à titre de maire suppléant. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal désigne le conseiller du district numéro 4 polyvalente, M. Michel Pronovost, pour agir à titre de maire suppléant de la Ville de la Tuque, à compter de maintenant et pour une période d'un an, soit jusqu'au 14 novembre 2022. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Oui. Monsieur Dubé. Le second. Monsieur Godreau. Appui. Merci. Item 8, trésorerie. Adoption compte à payer ou ratifier pour le mois d'octobre 2021. Oui, alors au niveau des comptes à payer pour le mois d'octobre 2021, on retrouve au fonds d'administration un montant de 2 517 732,30 $. Au fonds d'immobilisation, un montant de 2 191 092,17 $. Au service de la dette, 3 863 972,25 $. Les salaires nets et remises au gouvernement, un montant de 1 023 921,42 $. Au niveau des cartes de crédit, un montant de 8 995,88 $. Les paiements préautorisés, au montant de 170 364,21 $.
ce qui totalise une somme de 9 776 078 $ et 23 pour les comptes à payer du mois d'octobre 2021. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Shane, appuyée par... Le secondé. Monsieur Chagnon, merci. Puis, pour peut-être ce mois-là, vous trouvez peut-être que le montant est haut, mais il y a eu les paiements en capitaux aussi qu'il fallait payer. On était dans le temps des payés, fait que c'est pour ça que ça, le taux est élevé de même. Peut-être juste à titre indicatif, M. le maire, au niveau des fonds d'IMO, on a dû payer certains projets qui sont en cours de réalisation ou bien qui ont été réalisés. Donc, on prend entre autres le boulevard du Charme, le complexe culturel, puis le centre de ski au niveau de la fenestration. Tout ça totalise environ peut-être 1,7 million. Et on a dû aussi affecter 1,3 million sur une séquence de remboursement qui était prévue pour octobre d'environ 3,9 millions au niveau de la dette, ce qui explique que ce mois-ci, il y a 9,7 millions. Mais habituellement, ça se joue en taux de 2,5-2,8 millions par mois. Merci pour ces compléments d'information. 8.2. Autorisation de signature des effets bancaires. Alors, il est proposé et résolu que ce conseil municipal autorise le maire, M. Luc Martel, à signer pour et au nom de Ville de la Tuque tout document relié aux opérations bancaires ainsi qu'au fonctionnement de la Ville de la Tuque. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Pronovo. Secondé. Appuyé par M. Dubé. Merci. 8.3. Avis de motion. Règlement décrétant l'imposition des différents taux et taxes des compensations pour l'année financière 2022 de la Ville de La Tuque. Je soussigne Claude Gaudreau, conseiller municipal, d'un avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture décrétant l'imposition de différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2022 de Ville de La Tuque et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci. 8.4. Projet de règlement numéro 1000-219-2021 décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2022 de Ville de La Tuque. Alors, attendu que l'article 356 de la Loi sur les cités et villes du Québec prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil, attendu que l'objet du présent projet de règlement vise essentiellement l'adoption de l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2022 de la Ville de La Tuque, attendu la présentation et le dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance. En conséquence, il est résolu que le projet de règlement numéro 1219-2021 décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2022 de Ville de La Tuque soit adopté tel que rédigé. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Gaudreau, appuyé par... Je vais seconder. M. Fortin, merci. 8.5. Avis de motion, règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens et des services et des activités de Ville de La Tuque pour l'année 2022. Je soussigne François Fortin, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville de La Tuque pour l'année 2022 et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci. 8.6. Projet de règlement numéro 1000-220-2021 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville de La Tuque pour l'année 2022. Oui, alors attendu que l'article 356 de la Loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement. Entendu qu'en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut par règlement prévoir que tout ou en partie ses biens, services ou activités soient financés au moyen d'un mode de tarification. Attendu que ce conseil municipal juge opportun de regrouper les tarifications existantes en matière de biens, services et activités fournies par la Ville en un seul règlement. Attendu la présentation et le dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance.
En conséquence, il est résolu que le projet de règlement numéro 1220-2021, établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville de Latuc pour l'année 2022, soit adopté tel que rédigé. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Fortin. Secondé par... Appuyez. Le secondé. Monsieur Chagnon. Merci. Juste apporter, M. Le Maire, une précision. Les gens qui nous écoutent peuvent également consulter l'ensemble des projets de règlement qui sont soumis au niveau du Conseil sur le site Web de la Ville. Donc, ça annonce l'adoption d'un règlement parce qu'il est donné un avis de motion. Donc, l'avis de motion, ça a justement annoncé à la population qu'il y aura un règlement d'adopter ultérieurement par le Conseil. Le projet de règlement doit suivre l'avis de motion. Donc, les gens qui sont intéressés à consulter l'ensemble des projets de règlement peuvent le retrouver sur le site Web de la Ville et ces règlements-là seront adoptés d'une séance ultérieure. Dans ce cas-ci, il sera adopté, soumis au Conseil pour être adopté à la séance du 21 décembre prochain. Merci. 8.7. Demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par l'organisme Le Toit d'Amitié. Attendu la demande de reconduction de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière formulée par l'organisme Le Toit de l'Amitié, attendu que la Commission municipale du Québec, en vertu de l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, doit consulter la municipalité pour connaître son opinion à l'égard de telle demande. Attendu que le 27 octobre dernier, la Commission municipale du Québec a demandé à Ville de Latuc de se prononcer sur la demande de reconnaissance de cet organisme. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal soit en faveur de la reconnaissance de l'organisme Le Toit de l'Amitié pour fin d'exemption de toute taxe foncière relativement aux activités exercées par le dit organisme dans l'immeuble situé au 389 rue Lacroix à Latuc. Simple précision, M. le maire. Oui. Cet organisme était déjà exempté là, par le passé, donc il s'agit d'une révision périodique. Là. Il n'y a pas de modifications là, qui sont survenues au sein de l'organisme. Merci pour ces informations. Alors, je me prendrai un proposeur. Je vais le proposer parce qu'il est situé dans mon quartier. Alors, ça me fait plaisir de proposer cette résolution. Merci, M. Pronovost. Je seconde. Appuyé par Mme Duchesne. Merci. L'item 9, incendie, il n'y a rien. À l'item 10, travaux publics et services techniques, à 10.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2022. Oui, alors attendu que Ville de Latuc a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2022. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permette à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel et précise que les règles d'adjudication des contrats par la municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire et que Ville de Latuc désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, il est résolu que Ville de Latuc confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, tels chlorure de calcium solide en flocons et chlorure en solution liquide nécessaire à ses activités pour l'année 2022 et que copie de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Merci. Ça me prendra un proposeur. Proposer ça, hein? M. Dubé. Le secondé. Appuyé par M. Godreau. Merci. 10.2. Rejet de soumission, entretien du réseau d'éclairage public. Alors, attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 28 octobre dernier, une seule soumission a été reçue, telle que décrite ci-après. Or, c'était l'entreprise Latuc Électrique, HER Électrique, au 1437 boulevard du Charme à Latuc, au montant soumissionné de 48 155 $. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal rejette la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour l'entretien du réseau d'éclairage public, et ce, pour des raisons de non-conformité.
que ce conseil municipal autorise le directeur du service technique à retourner en appel d'offres sur invitation en modifiant le devis pour lequel nous sommes allés en appel d'offres. Merci. Alors, ça me prendra un proposeur pour le rejet. C'est beau. Madame Duchesne, appuyée par Monsieur Dubé. Merci. Monsieur le maire, j'aimerais ça que Monsieur le directeur, Monsieur Poirier, donne des explications aux gens, parce qu'il y en a qui vont avoir peur là, qu'on ne fasse plus de changement d'éclairage. Puis malheureusement, on sait qu'il y a plusieurs lampadaires présentement là-dessus qui ne fonctionnent pas. Merci. Donc, il y a deux volets. Il y a deux volets à ma réponse. Premièrement, au niveau de la résolution que vous venez de rejeter, c'était considéré une non-conformité au niveau de la soumission, mais on va faire quand même affaire avec l'entreprise locale sur une base annuelle pour l'entretien et le changement de nos fûts actuels et futurs. Concernant l'autre volet, on sait que le conseil précédent avait adopté une résolution pour donner l'éducation à Énergère, qui est un programme qui était piloté par la Fédération québécoise des municipalités pour faire la conversion de l'ensemble de nos lampadaires sur le territoire au DEL. Donc, on se souvient, c'est un contrat de 361 000 $ et le retour sur l'investissement était prévu pour une durée de 3 ans et demi. Donc, il y avait un avantage énorme à convertir nos lumières actuelles au DEL. Donc, il y a un léger retard auprès du fournisseur, considérant au niveau de l'approvisionnement. On sait qu'il y a plusieurs problèmes d'approvisionnement à différents niveaux. Donc, entre autres, Énergère subit ce problème d'approvisionnement-là et nous, on a un retard. Il devrait être sur le territoire pour faire la conversion fin novembre, début décembre, ce qu'ils nous ont dit. Donc, on va commencer justement à convertir nos lampadaires actuels au DEL à la fin du mois ou début septembre. Cependant, on sait qu'à certains endroits plus problématiques ou stratégiques où il y a une circulation qui est plus dense, mais à ce moment-là, on sait qu'on a des lampadaires actuellement de brisés qui n'éclairent pas. On va procéder à ces changements-là quand même rapidement pour assurer une certaine sécurité routière ou une sécurité au niveau des piétons, quand même à différents endroits stratégiques, mais pas l'ensemble des lampadaires qui ont été rapportés à InfoService, uniquement sur les artères plus principaux. Donc, on souhaite que Énergère fasse la conversion le plus tôt possible. On vous rassure, à certains endroits, on va changer quand même le lampadaire dans les prochains jours et semaines, et on va attendre que la conversion se fasse sur l'ensemble du territoire. Et ça inclut, M. Dubé, le secteur de la Croche également. Merci. Merci pour ces informations. 10.3, adjudication de collecte de transport des matières résiduelles pour le secteur Clova. Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 26 octobre, deux soumissions ont été reçues. Or, il y avait l'entreprise Servitrap enregistrée de Clova au montant de 52 889,76 $, ainsi que l'entreprise Gilles Leclerc enregistrée de Clova au montant de 54 000 $. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la collecte et transport des matières résiduelles pour le secteur de Clova pour les années 2022 à 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Servitrap enregistrée de Clova, au montant de 52 889,76 $, taxes exclues. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Propose. J'attendais Éric qui parle vu qu'il était dans son coin. Je vais le seconder. Secondé par M. Chagnon. Merci. Peut-être juste faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Souvent, les gens pensent, ils voient des prix comme ça, tu dis, maudit, c'est donc bien élevé pour le secteur de Clova, mais il y a le secteur, je dirais, urbain Clova, mais c'est également le secteur là, périphérique où il y a énormément de chalets. Je pense au lac Clair, je pense qu'il y a environ 40 chalets alentour de ce lac-là. Fait qu'en période estivale, on se ramasse vraiment avec plusieurs centaines de personnes. Fait que ça fait quand même des matières résiduelles à gérer. Fait que je voulais amener cette précision-là. Bon commentaire, Éric. 10.4. Adjudication, cueillette, transport et disposition des résidus domestiques dangereux. Alors, attendu que lors d'un appel d'offres public qui se terminait le 26 octobre, trois soumissions ont été reçues. Or, il y avait l'entreprise CRI Environnement Incorporé de Coteau-du-Lac au montant de 132 314,36 $, l'entreprise Services environnementaux Saint-Laurent Incorporé de Chicoutimi au montant de 141 746,67 $, ainsi que l'entreprise Veolia ES Canada Services industriels Incorporé de Chambly au montant de 165 217,33 $.
En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la cueillette, le transport et la disposition des résidus domestiques dangereux pour les années 2022 à 2026 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise CRI Environnement Incorporé de Coteau-du-Lac au montant de 132 314,36, taxes exclues. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Proposez-moi. Monsieur Dubé, appuyé par... Je vais seconder. Monsieur Fortin. Merci. 10.5. Autorisation de prolongation de contrat pour la collecte de transport des matières résiduelles. Attendu que le contrat pour le transport et manutention des matières résiduelles viendra à échéance le 2 juin 2022. Attendu que la clause 15 du contrat prévoit que Ville-de-la-Tuque peut le prolonger pour une période additionnelle d'une année. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise la prolongation du contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles avec l'entreprise Construction F Paris Incorporée, et ce, pour une période d'un an, soit du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022, pour un montant de 505 258 taxes exclues. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Pronovo, appuyé par... Oui. Secondé. Monsieur Godreau. Merci. 10.6. Rejet de soumission, deuxième appel d'offres, amélioration du système de stockage de carburant à l'aéroport de Latuque. Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 9 août dernier, quatre soumissions ont été reçues. Or, il y avait équipement pétrolier Lac-Saint-Jean incorporé de Dolbeau-Mistassini au montant de 229 851,20 $. SM Construction incorporée de Québec au montant de 510 910 $. Services et constructions mobiles limitées de Laval au montant de 529 167 $. Les équipements pétroliers Claude Penneau incorporés de Chicoutimi au montant de 585 886 $. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal rejette l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre du deuxième appel d'offres pour l'amélioration du système de stockage de carburant à l'aéroport de Latuque, et ce, pour des raisons de dépassement de coûts, et que ce conseil municipal autorise le directeur du service technique à retourner en appel d'offres sur invitation en modifiant le devis. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Fortin, appuyé par... Je vais l'appuyer. Monsieur Chagnon. Merci. L'item 11, urbanisme et développement du territoire. 11.1, second projet de résolution, demande d'autorisation particulière de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble résidentiel unifamilial avec logements 5 et demi au sous-sol. Ça va être... OK. Alors, attendu que Ville-de-la-Tuque a adopté le règlement numéro 1182-2014 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que M. Stéphane Veillette a déposé une demande d'autorisation d'un projet particulier afin d'autoriser une résidence unifamiliale avec un logement 5,5 au sous-sol à l'intérieur de la zone forestière F022. Attendu que l'emplacement visé est situé sur le lot 6 373 667 du cadastre du Québec dans la zone forestière F022, c'est dans le secteur Rapide Blanc. Attendu que ce projet viendra combler un besoin d'hébergement de travailleurs dans le secteur, et ce, pour plusieurs années. Attendu qu'il y a une offre d'hébergement touristique sur le lot voisin. Attendu que le projet particulier consiste à permettre l'implantation d'un bâtiment selon les dérogations suivantes. Or, autoriser un usage RA, qui est une résidence unifamiliale, à l'intérieur d'une zone forestière. Autoriser un logement supplémentaire de 5,5 au sous-sol en tant qu'usage complémentaire à l'usage résidentiel. Et autoriser 3 chambres à coucher au lieu de 2 chambres à coucher telles qu'autorisées à l'intérieur du règlement de zonage en vigueur pour un logement supplémentaire. Attendu que ce projet a été soumis au comité consultatif d'urbanisme, lequel a recommandé l'acceptation lors de sa rencontre tenue le 1er septembre 2021. Attendu qu'une consultation écrite s'échelonnant sur une période de 15 jours a été tenue jusqu'au 7 octobre sur le projet de règlement et qu'aucun commentaire n'a été reçu. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un projet particulier afin de permettre un usage résidentiel unifamilial avec un logement 5,5 au sous-sol à l'intérieur de la zone forestière F022 selon les conditions suivantes.
Alors, seule la location à long terme, soit de plus de 31 jours, sera autorisée avec un bail locatif. Le propriétaire devra respecter les dispositions relatives aux logements supplémentaires prévues à l'intérieur du règlement de zonage. Les travaux devront être réalisés dans un délai maximal de 24 mois et le formulaire de demande d'autorisation signé par M. Stéphane Veillette, daté du 5 juin, fait partie intégrante du projet particulier et que le défaut de remplir toutes les conditions imposées entraînera l'annulation de l'autorisation à réaliser le projet. Merci. Ça me prendra un proposeur. Proposez-moi, c'est chez nous. Bon. M. Dubé, appuyé par? Le secondé. M. Godreau, merci. Bon. Peut-être en complément d'information, monsieur le... Donc, le, monsieur Veillette est déjà propriétaire d'un gîte qui s'appelle le Rapide Blanc. L'objectif du projet particulier qui vous est présenté ce soir dans un deuxième temps, parce qu'on est rendu au second projet de résolution, c'est justement de permettre la construction d'un immeuble puis qu'il y ait un usage unifamilial, un 5,5 au sol, au lieu d'avoir deux chambres telles que prescrit, il en désire trois. Donc, ça vient en complémentarité avec l'usage déjà actuel du gîte voisin, où est-ce qu'il va pouvoir demeurer à l'intérieur de cet immeuble-là et faire la location de chambres également pour le travailleur, parce qu'on est situé dans le secteur Appel Blanc, juste en bas du lac Tourouve. Merci. On s'en va à l'item 12, loisirs, il n'y a rien. 13, mots du maire. En premier, bien, je tiens à remercier la population pour la confiance pour l'élection de ce nouveau conseil. Un grand défi nous attend, mais avec l'équipe en place, je suis très confiant que la Ville va avoir un regain de vie, et ce, dans tous les aspects. Aussi, je tiens à aviser la population qu'un nouveau règlement pour les stationnements de personnes handicapées seront sans limite de temps, ainsi que le stationnement de nuit en hiver sera permis et les informations vous seront transmises très prochainement. Vendredi passé, j'ai eu une rencontre avec le premier ministre où assistait Mme Tardif, que je tiens à saluer ici ce soir. Il a été très réceptif à nos problématiques et très ouvert aussi. Puis il nous a même dit que lors du budget au mois de novembre, on aurait peut-être des belles surprises qui nous attendent pour les régions. Fait qu'on va attendre au mois de novembre. Il y a eu la rencontre, il y a une rencontre aussi vendredi avec le ministre Boulay, Mme Tardif, au curling avec le conseil. Encore là, on va déposer l'argumentaire qu'on a déposé au premier ministre pour le mettre au courant de nos problématiques, nos projets, puis l'aide qu'on attend du gouvernement qui sont à un an des élections. C'est un message subliminal, ça, qu'on appelle? OK. Il y a aussi une rencontre qui est prévue très prochainement avec le ministre Champagne, que j'ai parlé avec hier, puis il a bien hâte de venir nous voir, puis lui aussi, j'ai dit d'emmener son 4 pains, parce qu'il va avoir des notes à prendre, mais qu'il parte. Aussi, on va avoir une rencontre avec les gens de Nesté la semaine prochaine, pour la bio-réfinerie. Puis, comme nouveauté, le conseil a décidé que peut-être après les assemblées publiques, on va rester peut-être 10, 15, 20 minutes, une demi-heure même. Pour les gens, mettons, qui ont de la misère à aller au micro, comme moi, puis qui sont gênés, bien, on est prêt à les écouter en privé. Puis c'est un service, je pense, qu'on va donner aux citoyens de plus près. Fait que toutes les gens vont pouvoir se faire entendre. S'ils ne veulent pas aller au micro, ils viendront nous voir en particulier. Un des conseillers, on va rester ici après l'Assemblée publique. On va l'essayer. Oui. Puis si on voit qu'après 3 ou 4 personnes viennent nous parler, bien, on partira nous aussi. Fait que c'est tout pour moi. Les activités à venir, bien, c'est selon le contexte de la pandémie du COVID. Il va y avoir le tournoi de hockey Anthony qui est ici le 3, 4, 5 décembre au Colisée. Puis il y a plusieurs autres activités qui vont être publiées sur le site web de Ville de Latuc. Là, j'ai assez parlé à soir. C'est au tour au conseiller. On va commencer avec M. Chagnon. Oui, j'avais quelques points. Tout d'abord, je voudrais remercier les citoyens qui m'ont fait confiance lors des dernières élections. Comme je l'ai dit, c'est une grosse marque de confiance et un gros poids sur les épaules. Puis c'est beaucoup de travail, mais je suis prêt à l'accomplir encore une fois. Merci aux gens de Parent, aux gens de Bidjouane, aux gens de Casey, aux gens de Clova, puis aux gens de Wimontassu.
Je voulais également aussi remercier ma conjointe pour son support depuis les 4 dernières années. Souvent, nos conjointes ou nos conjoints, c'est des alliés indéfectibles. C'est des bons conseillers, c'est des gens qui nous appuient dans les bons moments, dans les moins bons moments. Fait que merci, un gros merci à ma conjointe Lynn. Puis je voudrais aussi souhaiter à tous les membres du conseil des bonnes assemblées. Puis je vais faire tous les efforts possibles pour travailler en équipe avec vous autres. Puis je voudrais également aussi dire aux gens de faire attention. On arrive en période hivernale, on n'est pas l'automne, on n'est pas l'hiver. Il va y avoir du verglas, il va y avoir de la neige, fait que ça a des conditions météo qui sont difficiles. Souvent, je parle spécialement sur les routes forestières, fait que de faire attention à ça, d'adapter notre conduite aux conditions hivernales et d'être prudent. C'était pas mal ça, mes points. Merci, Éric. Oui. Monsieur Claude. Ben, écoute, moi, je suis très heureux de pouvoir siéger sur le conseil avec les nouveaux membres et les anciens aussi. Moi aussi, je tiens à remercier là, les électeurs pour m'avoir donné un vote de confiance. Et puis, comme je l'ai dit, on va tenter de les représenter au meilleur de nos connaissances. Sinon, bien, ça fait le tour. Merci. Merci. Madame Duchesne. Moi, je voudrais remercier mon mari puis ma famille en premier, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de rencontres que je ne suis pas présente à la maison. Puis j'aimerais féliciter tout le monde qui est alentour de moi. Comme disait M. le maire, rassembleur, respect et travailler en équipe, qui c'était primordial. Puis je remercie tous mes électeurs du quartier numéro 6, comme de quoi que je vais essayer de vous représenter à du 200%. J'ai déjà des dossiers qui sont rentrés, que ça va me faire plaisir de travailler pour vous et avec vous. Merci. Merci, Mme Chain. Monsieur Dubé. Moi aussi, je voudrais remercier les membres de l'Accroche Couronne Royale qui ont voté pour moi. Ça fait 3-4 fois que je le fais, mais je pense que ça me fait toujours plaisir de le faire. Merci au public à soir. On n'est pas beaucoup, mais je suis certain que dans 2 mois, on va être le double de ça. Fait que, on apprécie bien gros que vous êtes ici ce soir. Moi aussi, je voudrais remercier la gang qu'on est autour de la table. Je pense qu'on est une belle gang, puis on va aller de l'avant. Fait que, d'après moi, pour moi, à soir, la glace est cassée. Fait que, on va aller de l'avant, puis on va foncer, puis... Merci à vous autres et bonne soirée. Merci. M. Prenevot. Bien, écoute, pour répéter tout ce que les autres ont dit, mais je suis quand même aussi très fier, très honoré de représenter les citoyens de Ville-de-la-Tuque et l'entour de la table du conseil municipal, surtout les gens du quartier numéro 4 polyvalent. Alors, déjà, quelques réunions qu'on a ensemble, et je vous dis que la chimie s'est installée assez rapidement. On a appris à se connaître et chacun a des points forts. Et on sent que, comme je l'ai dit à la sermentation, on peut écrire certainement une page d'histoire dans cette ville de Latuque, parce qu'on a chacun Latuque tatoué sur le cœur. C'est ce qu'on a pu constater depuis le début. Alors, on va de l'avant. On ne regarde pas ce qui se fait en arrière. Nous, on ne travaille pas dans le passé, on travaille de l'avant. Et comme je l'ai dit, regardez-nous aller, on s'en va. Et on s'en va à grande vitesse. Et je pense qu'il y aura des belles choses pour vous. Déjà, il y a des modifications que vous avez entendues de la part de M. le maire qui tenait à cœur des gens autour de moi dans le programme électoral. Alors, c'est pas long qu'on va les mettre en application. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci, M. Prenevot. M. Fortin. Merci, M. le maire, pour la parole. Moi, je voudrais remercier les gens du district numéro 5, Bel-Air, Centre-Ville et puis Lac-Saint-Louis de m'avoir appuyé. C'est un vote de confiance, donc je vais faire tout ce qui est en mon possible pour pouvoir leur rendre des services. Donc, il y a une chose que je veux dire. Je veux remercier le conseil de ville d'avoir été à l'écoute de ce que c'est que moi j'ai écrit sur mon petit pamphlet. J'avais dit que je m'occuperai du stationnement de nuit, puis on est en train de s'en occuper. Donc, ça fait partie un peu de mes visions à moi. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher à la population, puis je pense que les gens vont l'apprécier grandement, parce que des fois, aller serrer l'auto, quand il n'y a pas de neige dans la rue, c'est un petit peu tannant. Fait qu'on va appliquer des mesures nécessaires pour que ça aille bien, mais ça va rendre service à la population. Fait que je remercie le conseil de ville d'avoir écouté un peu mon message, puis on souhaite à tous et chacun d'autres bonnes séances en harmonie, et puis je continue de répéter. Je vais faire la police. ils vont se surveiller. Merci tout le monde. Merci, M. Fortin. On a fait le tour des conseillers. Question des médias.
Courte question qui m'a été posée par une auditrice récemment. Les masques qui sont dans les rues, quels sont les travaux là, qui sont faits par la ville pour les ramasser? Ça inquiète beaucoup de gens. Ben là, les masques qui sont à terre. Oui. Ouais, c'est une question qui m'est posée fréquemment. Ben là, premièrement, si j'en vois à terre, je vais le ramasser puis je vais le mettre dans la poubelle. Là. On se demande si... la question était, on se demande s'il y a des gens de la ville là, qui s'en occupent. Ben, il y a toujours les plateaux de travail qui font l'entretien puis le ménage au centre-ville, mais je pense qu'on a toute une part de responsabilité là-dedans. Là. Je ne peux pas en dire plus, à moins que M. Poirier ait d'autres informations. Là. On a à l'Hôtel de Ville des endroits pour les récupérer. Okay. Cependant, au niveau peut-être des infrastructures ou des méthodes de récupération de ces masques-là un peu à l'extérieur, ce n'est pas toutes les compagnies qui se disent les récupérer et qui les réutilisent non plus à 100 %. Donc, les récupérer pour les jeter, tout souvient de les jeter directement dans la poubelle. Nous, on les récupère à différents endroits, puis je sais qu'il y a différents organismes publics ou privés ou entreprises privées, même commerces, qui les récupèrent à l'intérieur avec une poubelle, un bac qui est spécifiquement dédié à ça. Mais c'est de cette façon-là qu'on récupère les masques. Pour le reste, bien, c'est sûr et certain, j'appelle un peu aux citoyens à être respectueux de l'environnement. C'est pas parce qu'on a un masque qu'il faut s'en disposer quand même correctement au bon endroit aussi. Merci. Si vous permettez, M. le maire, moi j'ajouterais... Je pense que les écoles ont un travail à faire aussi, parce que si vous promenez autour des écoles, malheureusement, il y a beaucoup de masques par terre. Alors, moi, je demanderais aux écoles aussi de peut-être vérifier. Eux aussi ont des équipes d'entretien. Alors, on pourrait faire une petite vérification autour des écoles de la TUC. Ça ferait pas de tort. Bien. Merci. D'autres questions, hein, Danick? Non. J'ai une question concernant les stationnements de nuit. Est-ce qu'on a évalué combien ça allait priver d'argent dans les coffres de la ville? Parce que c'est quand même un revenu pour la ville? C'est un service qui nous est demandé depuis plusieurs années. Ça se fait dans plusieurs villes au Québec. Je pense qu'on est rendu là, nous autres, ici. Puis ça va aider aussi les maisons de chambre où qui n'ont pas de stationnement puis qui se parquent sur le parterre puis un peu partout. Fait que là, à l'heure actuelle... le règlement va sortir, puis il va y avoir des mesures aussi qui vont être prises lors de tempêtes de neige où ce qu'ils peuvent se stationner, puis qui n'auront pas de ticket. Oui. Parce que le but de la ville, c'est pas de donner des tickets non plus. Non, mais ça rapportait quand même. Oui, ça rapportait, mais le montant, je peux pas vous le dire. Monsieur Poirier peut. C'est très minime comme montant, considérant le fait que c'était pas nécessairement appliqué du 15 novembre jusqu'à la date où ce que le stationnement nuit était permis. Au niveau de Ville-la-Tuc, on procède environ entre 20 et 22 opérations de déneigement l'hiver quand il y a des bonnes bordées de neige. Le règlement, juste pour mettre en appétit les gens, c'est qu'il va demeurer interdit le stationnement nuit. Cependant, il va avoir un moyen de communiquer à la ville, soit par le site Internet ou bien un numéro de téléphone à compter d'une heure bien précise. Donc, ce qu'on voit à l'intérieur de d'autres villes, ce qu'ils font, c'est qu'à compter de 17 heures, les gens communiquent soit au numéro de téléphone ou consultent le site Internet, à savoir, ça va être permis ou non de se stationner sur le chemin public. Donc, le stationnement va demeurer interdit. Cependant, quand ils annoncent aucune précipitation de neige ou que la température est clémente, comme on le voit, bien, ça ne donne rien d'interdire le stationnement nuit. Et c'était appliqué un peu de cette façon-là aussi, par les autorités policières, donc par les gens de la Sûreté du Québec. Donc, ça va demeurer encore, il va y avoir une possibilité d'émettre de constats d'infraction quand il y aura une interdiction, puis à ce moment-là, ça va priver ou ça va nuire aux opérations de déneigement qui vont s'effectuer au courant de la nuit. Mais c'est très peu significatif comme montant. Merci. D'autres questions, André? Audrey? Monsieur Scapineau? Ça va, merci. Question du public? Rebonsoir. Donc, c'est pas une question, mais je veux vous redire ou vous apprendre, vous dire que le projet de loi PL 49, qui est le projet de loi au niveau de la déontologie, de différentes dispositions là, de la loi, dont l'éthique en matière d'échange au niveau des conseils municipaux, a été adopté le vendredi avant les élections. Vous n'êtes pas sans savoir, ou en tout cas, vous allez l'apprendre ce soir, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaintes au cours des dernières années, tant des employés municipaux que des conseillers municipaux.
La loi n'était pas faite et la commission municipale n'avait pas suffisamment de pouvoir pour justifier ou pour dire et mettre en lumière à savoir qu'est-ce qu'était l'éthique, qu'est-ce qu'était le respect, qu'est-ce qu'était de l'intimidation. Donc, maintenant, c'est dans la loi. Ne tolérez pas d'intimidation. Ne tolérez pas de manque de respect. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour faire avancer les dossiers. Si jamais il y a quoi que ce soit, ma porte est encore ouverte. Tout est confidentiel, bien entendu. Et vous savez que je ne suis pas sortie dans les médias non plus avec ça. Et je ne sortirai pas non plus. Par contre, je demeure ouverte. Et j'étais sur la commission parlementaire qui a fait qu'on a changé les lois. Vous n'étiez pas les seuls. Il y a plusieurs villes, plusieurs conseils municipaux à travers le Québec qui ont décrié les mêmes choses, mais je pense qu'en 2021, on est rendu là. Hein? Et l'intimidation et le manque de respect, ça n'a pas sa place quand on veut travailler pour les citoyens puis qu'on se donne corps et âme là, pour faire avancer nos dossiers. Donc, merci encore. Merci. Merci. Puis en plus, je dirais qu'on va avoir une formation là-dessus très prochainement. Mm-hmm. D'autres questions du public? Petite désinfection. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Bonsoir, M. le maire, Mme la conseillère, M. les conseillers. Bonsoir. Ça me fait plaisir de votre voir en place. S'il vous plaît, pour le fin de procès-verbal. Je pensais que tu me... Je m'appelle Marcel Saint-Pierre. C'est obligé, c'est ça qu'ils m'ont dit, il faut que je demande les noms. Oui, tu fais bien. Je m'appelle Marcel Saint-Pierre. Félicitations à tous pour être là. Et puis, ça m'arrive quelquefois de passer ici. La première question que j'ai ce soir, quand vous avez parlé du renouvellement de ramassage des cueillettes, c'est aussi les bacs, c'est tout inclus, ça. OK. Parce que là, je voyais résiduel. Je ne voyais pas recyclage, tout simplement. C'est une question de mots. Ma deuxième question, la santé. On avait déjà un comité qui avait été mis en place. Avec la pandémie, ça a été mis de côté. On sait qu'on a une problématique à la TUC. On sait que les décisions se prennent à l'extérieur. On ne sait plus qu'est-ce qu'on a ici à la TUC. Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qui s'en va? Est-ce que, M. Martel et les conseillers, vous avez déjà entamé une porte pour voir s'il va y avoir une continuité pour défendre la TUC puis garder nos choses, plus ça va, plus on en perd? Bien, comme on a nommé à soi, le comité de, on a le comité de santé, il y a des élus qui vont être là-dessus, puis ils vont repartir, vous allez peut-être communiquer très prochainement. OK, je vous remercie beaucoup. C'est parce que moi, vous savez que je travaille dans le côté jeunesse en santé. Oui. Et puis j'entends un peu toutes sortes de choses. Et puis moi, bien, je suis pour garder nos jeunes à la TUC. S'ils sont pas en santé, ils s'en vont. Ça fait que j'y tiens beaucoup. Ça fait que c'est pour ça qu'est mon approche là, ce soir. Et puis encore un bon 4 ans avec vous. Vous allez sûrement me revoir. Ça m'arrive de passer vous voir. Ça fait merci bien. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Merci. Bonne chance à vous autres. Puis merci de nous défendre. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Claude Boudreau. Je vous souhaite félicitations à tout le monde. Je pense que vous avez une belle équipe pour plusieurs que je connais et tout ça. Puis, je pense qu'on va s'en aller vers l'avant avec vous autres. J'avais demandé lors de la dernière assemblée, il y avait M. François Côté qui était venu présenter un projet. Fait que je veux que les autres conseillers aussi soient au courant. J'aimerais ça participer à ce projet-là. Je ne sais pas si ça a été commencé. Monsieur le maire, vous êtes au courant? Là? Oui, c'est ça, mais il n'a pas été commencé encore. Mais on a justement commencé à en parler, d'en faire un comité là-dessus. Mais je pense qu'avec tout l'ouvrage qu'on a à l'heure actuelle, là, mais dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Puis votre nom y est pris pour embarquer sur ce comité-là. Il n'y a aucun problème, monsieur. Parfait. Puis là, ma question, c'est encore mon parc de Carignan. c'est supposé être terminé en novembre 2021.
La roulotte n'est pas là encore. Il n'y a pas encore de lumière. Il n'y a pas encore de courant. Savez-vous quand est-ce que ça va être fait? Bien là, je vais jouer mon jeu du ricochet. Envoyez ça à M. Poirier, lui, est au courant du dossier. La patinoire avec le bâtiment, avec la lumière, il reste la roulotte est déjà rendue. Il reste la roulotte à scande, mais elle est déjà prête, elle est déjà au garage. Il reste les lampadaires, les lumières installées. Tout ça va être fait avant la saison des patinoires extérieures. Ça, soyez rassurés, c'est déjà prévu dans le planning au niveau des travaux publics. Justement, cet après-midi, on en discutait justement à savoir quand il était pour faire ça. Fait que dans les prochaines semaines ou dans le prochain mois, ça va être fait. Bon, parfait. C'est ma question. Puis encore une fois, félicitations à tout le monde. Je pense qu'on a une belle gang qui sont là. Puis ça devrait bien aller. Merci beaucoup. Vous allez être appelé prochainement, M. Woodrow. Pardon? Vous allez être appelé prochainement. Parfait, merci. Bonne soirée. Merci, Woodrow. Merci, Claude. Bonsoir tout le monde. Bien entendu, félicitations en premier lieu, Monsieur le maire, les conseillers. Ça a été une grosse campagne électorale et ça annonce un gros 4 ans de travail. Bravo, puis je suis convaincue que la ville va avancer, c'est ça qui est important. Oui. Mais votre nom, s'il vous plaît, encore, on peut chicaner. Oui, c'est vrai. Marjolaine Hébert-Saint-Pierre. OK, merci. Mon commentaire, c'est justement sur la cueillette des matières résiduelles, des bacs verts, particulièrement des bacs verts. Les bacs bleus, c'est fait automatique là, par le camion. Ouais. Les bacs verts, c'est les gens qui les prennent. Ils les laissent tellement souvent presque au milieu de la rue. Et quand on passe, c'est dangereux. À un moment donné, il faut comme contourner les bacs. Il y en a un là, il y en a un là. C'est vrai. Ben là, je me dis, vous avez renouvelé, en tout cas, vous allez renouveler l'entente pour une autre année. Peut-être leur demander de porter attention à ça. Quand c'est l'hiver, ouais. On se tasse. En tout cas, ça a été assez particulier, particulièrement, entre autres, là, au Bel Air, quand il fallait faire le tour, puis il y avait beaucoup de trafic à cause des travaux. Bien là, il y avait beaucoup, beaucoup de trafic. Les autobus scolaires, là, un bac qui était là, on ne savait plus trop où passer. Je pense que ce serait une bonne chose que de porter à leur attention, s'ils peuvent au moins, s'ils ne les remettent pas sur le terrain, les mettre sur le bord du trottoir ou de la bande de trottoir. C'est bon. C'est la seule chose. Merci beaucoup et bon 4 ans. Merci. Merci. M. Poirier, vous allez le prendre en note. D'autres questions du public? Oh, oui, madame. Madame. Bonsoir, M. le maire. Mon nom est Lucie Fortin. C'est peut-être juste une précision. J'étais membre du comité consultatif d'urbanisme les 3 dernières années. Je veux juste mentionner que ce matin, j'ai remis ma lettre de démission à M. Jean-Sébastien Poirier pour éviter les conflits d'intérêts avec mon mari, qui est maintenant conseiller. Donc, je voulais éviter toute source de distraction. Alors, pour cette raison-là, je me suis retirée du comité consultatif d'urbanisme. Bien, merci beaucoup pour votre implication, Mme Martin. Ça me fait plaisir de le faire. J'ai appris toutes sortes de choses de ces 3 années-là. Mais dans les circonstances, je trouvais plus logique de me retirer. Je ne sais pas si... Bien, il n'a pas été nommé sur ce comité-là, mais dans le futur, s'il a y siégé, bien, il n'y aura pas de conflit d'intérêts, puis ça va être clair et net pour tout le monde. Je ne fais plus partie du comité d'urbanisme. Bien, merci encore, puis merci encore de votre implication. Merci. D'autres questions du public? Gaëtan. Faut-tu t'en renommer encore? Pas le choix. Rebonsoir. Ouais. Mon nom est Gaëtan Pouliot. J'en ai déjà discuté avec Monsieur Martel, mais peut-être vous mettre au courant de ce que j'aimerais pour Ville-de-la-Tuc. Peut-être que lui qui va me voir venir, mais bon, c'est deux points qui seraient importants. Ce serait la piste cyclable. Alors, j'élaborerai pas
qu'est-ce qu'il y en est de notre piste cyclable, mais il y a des problématiques dont M. le maire il est au courant. Puis je suis pas mal sûr qu'il va me donner un compte-rendu, mais malgré que je vais être pas mal ici pour assister aux assemblées à tous les mois. Puis ça m'a fait plaisir de vous entendre et de vous voir résoudre les problèmes. Le deuxième, bien, il y en a pas mal qui me parlent, pas parce que je connais du monde, là, mais moi, j'ai une belle vue du petit lac Saint-Louis. Une belle vue. C'est beau. C'est mort. Alors, ma question est, est-ce que vous aurez... J'espère que vous allez avoir des bonnes idées pour amener quelque chose de beau et de bon au lac Saint-Louis, où est-ce qu'il pourrait avoir aussi des retombées économiques qui seraient importantes pour Baie-de-la-Tuc. Ce serait dommage de laisser aller encore notre beau lac Saint-Louis. Alors, la balle est dans votre camp, et j'espère que M. Fortin, qui est de mon district, j'espère qu'il va réussir à convaincre les membres aussi de faire une revitalisation de notre beau lac Saint-Louis. Et si vous avez une personne, si vous voulez avoir une personne ressource pour le petit lac Saint-Louis, bien, je vais donner mon nom. Alors, si vous avez besoin de moi, alors ça m'en fait plaisir de vous aider. Bien, merci et bonne fin de soirée. Merci, M. Pouliot. Puis je peux vous dire que il y a des idées qui ont été mises à table, il y a des idées qui ont été mises en campagne électorale de différents conseillers. Puis avec le comité qu'on veut faire des Premières Nations, il va y avoir des idées qui vont sortir de là. Je peux vous le garantir. Ah, je suis très confiant. Merci. Puis si on a besoin de vous, on va faire appel à vous, M. Pouliot. Je voudrais vous remercier, M. Pouliot, pour l'intérêt que vous portez dans le comité au niveau de la revitalisation du lac Saint-Louis. Je suis un porteur haut et fort du flambeau. Soyez pas inquiets, j'ai des projets, j'ai des idées. La table du conseil sont à mon écoute, puis on va voir à ce que ce lac-là revive les 24 heures de la TUC. Donc, une bonne soirée. D'autres questions, s'il vous plaît, du public? Et de bonne heure. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lever l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée. Ouais. Appuyez. Secondé. Merci. Merci.